Bonjour les amis, nous sommes très ravis aujourd'hui de vous revoir, de voir discuter par rapport à un thème qui est très important pour nous, qui est la BFVM. Alors la question qui se pose, c'est quoi la BFVM aujourd'hui jusqu'à la fin de la vidéo? Vous aurez une bonne réponse, une idée claire sur la BFVM. Alors si vous partagez nos pages, aimez, abonnez-vous pour avoir plus de vidéos sur les outils pour investir à la BFVM. Comment être financé par la BFVM. Tout cela, c'est une série de tutos que nous ferons pour vous expliquer mieux au fur et à mesure dans les jours à venir de ce que c'est réellement la BFVM. Alors, la BFVM est une bourse régionale des valeurs mobilières qui est une institution spécialisée dans les finances de l'UOMOA. La BFVM, qui est une bourse régionale des valeurs mobilières, regroupe plusieurs pays, spécialement les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc tous ces pays sont des pays qui sont intégrés, qui font partie intégrale de la BFVM. Donc la BFVM, je le répète pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'est la bourse régionale. Alors qu'est-ce que la bourse? La bourse est un marché où on va pour acheter des valeurs mobilières. Alors sur la bourse, il y a plusieurs choses qu'on peut acheter. Sur la bourse, il y a plusieurs marchés. Nous avons les marchés des capitaux, les marchés monétaires, les marchés financiers, les marchés primaires, les marchés secondaires. Vous voyez, au fur et à mesure des vidéos prochaines qu'on verra, on va expliquer tous ces marchés en détail. Donc, en résumé, que ici, dans les pays développés, nous avons le CAC 40. Nous avons la bourse de New York, de Wall Street, la bourse française, la bourse américaine. Nous, dans l'espace UOMOA, nous avons notre bourse qui est la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la BFVM. Son siège se trouve à Abidjan. Le siège est à Abidjan, qui c'est une bourse qui est créée par l'initiative du feu Ofwe Boigny, le président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, maintenant, cette bourse est structurée de plusieurs manières et pour interagir pour aller acheter dans cette bourse, il faut passer par la LGI. Donc, comme nous verrons dans les prochaines vidéos ce que c'est qu'une LGI, comment ouvrir un compte à la LGI. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, donnez-nous les commentaires sur ce que vous voulez après qu'on vous fasse après cette vidéo pour mieux comprendre la bourse. Merci, merci, merci.